Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur Simahouse TV. Sur cette chaîne, on parle bien sûr de l'importation de la Chine pour faire des profits. Mais comme la Chine est fermée pour le moment, donc on va continuer toujours de parler de comment faire l'argent sur Internet, mais aussi comment importer des autres pays. Mais pour le sujet d'aujourd'hui, c'est par rapport au retrait avec Patreon Pay. Comme il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère pour faire des retraits avec Patreon Pay, alors, je viens un peu vous parler au sujet de ça. Comment est-ce que vous pouvez faire vos retraits? Alors, on va parler des retraits. Donc, pour faire des retraits avec Patreon Pay. Retrait d'argent avec Patreon Pay. Ça devient un peu difficile parce qu'ils ont changé. Ils ont changé leur façon de faire. Patreon Pay. Comme ce n'est pas tout le monde qui est vraiment à l'aise avec la technologie, donc Patreon Pay. Moi, je suis au Canada. Donc, je suis à Montréal ici. Si vous êtes au Canada et vous investissez dans Patreon Pay, donc suivez cette vidéo attentivement parce qu'aujourd'hui, d'abord, pour commencer, qui suis-je? Mon nom, c'est Messie Sima. Je suis le PDG de simahouse.com, comme vous le voyez ici. Et ici, présentement, je suis dans mon magasin, qui est aussi un studio YouTube en même temps. Alors, toutes les vidéos sont faites ici. Alors, on va y aller. Pour faire le retrait, premièrement, vous devez passer maintenant par MetaMask. Donc, un. Vous devez avoir un wallet. Ça vous prend un wallet. Donc, un wallet, c'est un portefeuille. Bon, c'est un portefeuille que vous avez besoin. Ça vous prend un wallet que vous allez trouver chez MetaMask. Avec MetaMask. Vous devez absolument utiliser MetaMask pour créer un wallet. Un wallet, c'est un portefeuille. Okay? Un wallet, c'est un portefeuille. Et puis, MetaMask vous permet de faire des retraits avec Ethereum. Ça veut dire que Patreon Pay va vous payer en Patreon. C'est leur nouveau crypto-monnaie. Et les Patreon, vous allez les échanger contre l'Ethereum. ETH, c'est Ethereum. Ethereum, c'est la deuxième monnaie, la crypto-monnaie la plus populaire après le Bitcoin. Donc, ETH, ça veut dire Ethereum. OK? Alors, Patreon Pay va vous payer en Patreon. Pour recevoir votre argent, vous devez convertir le Patreon en Ethereum. Donc, vous devez faire le swap. Ça, on appelle le swap. C'est des termes un peu ambigus pour les gens qui ne comprennent pas la crypto-monnaie, mais c'est de cette façon dont vous devez absolument procéder. OK? MetaMask, donc c'est une société qui se trouve sur Internet. Je ne sais pas personnellement ils sont dans quel pays, mais Patreon Pay vous exige maintenant de passer par MetaMask pour créer un wallet. Le wallet, c'est un portefeuille qui vous permet de recevoir de l'argent qui provient de Patreon Pay. Vous l'envoyez. Donc, vous allez avoir Patreon Pay. Donc, ça, c'est Patreon Pay. Vous retirez l'argent. Donc, ici, vous allez faire le retrait. Vous faites les retraits en passant par votre wallet. Le wallet, vous allez l'obtenir avec MetaMask. Et dans MetaMask, vous allez convertir, ici c'est la conversion, donc convertir votre Patreon Pay, vous paye en Patreon. Donc, les Patreons vont arriver ici dans MetaMask. Ils seront convertis en Ethereum.
une fois converti en Ethereum, à partir de l'Ethereum maintenant, vous allez faire ce qu'on appelle un swap. Maintenant, une fois le swap est fait, l'Ethereum sera envoyé maintenant à votre wallet. Vous avez encore besoin d'un autre wallet. Pour recevoir votre argent, vous avez besoin d'un autre wallet. Le wallet peut être chez Bitbuy. C'est un wallet d'Ethereum. S'il te plaît, c'est juste un wallet d'Ethereum. Vous pouvez l'avoir chez Bitbuy ou bien vous pouvez l'avoir aussi chez ShakePay. Donc, moi, je préfère, je suis à l'aise avec Bitbuy. Donc, tout ça, que ce soit Bitbuy ou bien ShakePay, c'est des sociétés qui se trouvent ici au Canada. ShakePay, c'est à Montréal. Je ne les utilise pas beaucoup. Bitbuy, c'est à Toronto. J'utilise beaucoup Bitbuy. Les liens seront dans la barre de description en bas ou bien sous la partie de description en bas sur cette vidéo. Vous allez trouver le lien de Bitbuy. Vous allez aussi trouver le lien de ShakePay. Mais comme d'habitude, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre des liens. Et quand vous allez ouvrir votre compte avec Bitbuy ou bien ShakePay, et lorsque vous ferez votre première transaction, c'est sûr que Bitbuy va me payer une petite commission et ShakePay aussi va me payer une petite commission. Donc c'est l'un ou l'autre. Vous pouvez choisir celui que vous voulez utiliser. C'est juste une façon à vous de supporter cette chaîne ici. Voilà. Mais quand même, il faut savoir que vous aurez besoin. Je vais juste changer de côté. Donc, vous aurez absolument besoin d'un wallet. Il n'y a pas moyen. C'est quoi le wallet? Le wallet, c'est un portefeuille, OK? Sans ça, c'est vraiment impossible de transiger en crypto-monnaie. Alors, le wallet, l'argent entre, l'argent sort. Donc, avec un wallet, vous pouvez envoyer de l'argent. C'est la crypto. Vous pouvez aussi recevoir de l'argent. Donc, vous pouvez recevoir. Vous pouvez aussi envoyer. Donc, A, envoyer. B, recevoir. Vous avez absolument besoin d'un wallet. Le wallet, c'est un portefeuille. OK? Sans le portefeuille, vous ne pouvez pas envoyer de la crypto-monnaie sur Internet. Vous ne pouvez pas aussi recevoir de la crypto-monnaie sur Internet. Et puis, des compagnies qui vont vous servir en vous donnant une possibilité de créer un wallet ou bien d'utiliser déjà les wallets qui sont disponibles chez eux, ils vont vous charger un frais. Dans tout ça, il y a des frais. Il faut vous attendre à des frais. Quand vous envoyez l'argent, comment vous envoyez l'argent? L'argent, vous pouvez l'envoyer à partir de votre banque. À partir de la banque, vous envoyez l'argent à la compagnie de wallet. Donc, soit Bitbuy, soit ShakePay. Une fois l'argent arrive ici, l'argent sera maintenant converti en crypto. Donc, ça vous donne une possibilité. Ça vous donne maintenant une possibilité de convertir votre argent canadien en crypto-monnaie. Vous pouvez acheter l'Ethereum, vous pouvez acheter le Bitcoin. Donc, je répète. À partir de la banque, vous envoyez l'argent chez Bitbuy ou bien chez ShakePay. Une fois l'argent arrive chez Bitbuy ou ShakePay, vous pouvez maintenant avoir la possibilité d'acheter les cryptos.
les cryptos que vous pouvez investir avec Patreon Pay. Donc, pour le moment, je ne vous recommande pas vraiment d'investir là-bas, étant donné que si vous ne comprenez pas la technologie de la crypto-monnaie, comment est-ce qu'on envoie l'argent là-bas et comment est-ce qu'on fait le retrait. Mais si vous avez besoin de faire le retrait, vous avez absolument besoin d'un wallet. Le wallet, c'est un portefeuille. Tout ce que ça vous permet de faire, c'est de convertir vos Patreon, parce que Patreon paye maintenant, il va vous payer en Patreon. Ça va vous permettre de convertir les Patreon en Ethereum. Et vous devez passer absolument par MetaMask, malheureusement. OK? Donc, pour le moment, c'est comme ça que Patreon paye procède. Alors, ils ont ajouté une partie de Bitcoin. Donc, vous pouvez faire les retraits par Ethereum, ETH, ou bien par Bitcoin. Maintenant, le Bitcoin chez Patreon Pay, c'est nouveau. Comment est-ce que vous allez faire le retrait en Bitcoin? Pour faire le retrait en Bitcoin, ça vous prend absolument l'équivalent de la monnaie. Admettons, vous avez investi, c'est juste un exemple. Pour faire des retraits en Bitcoin, admettons, vous avez investi 1000 dollars. C'est un exemple. Vous avez investi 1000 dollars. Si vous faites des intérêts chez Patreon Pay qui équivaut à 1000 dollars ou plus, 1000 dollars ou plus, vous pouvez maintenant faire le retrait de votre 1000 dollars en Bitcoin. Je vous conseille, ou bien je vous propose, de ne pas faire le retrait en Ethereum avec MetaMask. Si vous faites le retrait en Ethereum en passant par MetaMask, lorsque vous allez swapper, lorsque vous allez convertir maintenant l'Ethereum pour l'envoyer dans votre wallet chez BitBuy ou bien chez ShakePay, vous allez perdre presque 60 à 80% de la valeur de votre profit qui provient de Patreon Pay. Je répète, pour le moment, je vous conseille de ne pas faire le retrait en Ethereum. Si vous faites le retrait en Ethereum, vous allez perdre entre 60% à 80% de vos profits. Donc, c'est mieux d'attendre. Je ne vous dis pas d'attendre, mais pour moi, si j'étais à votre place, je vais attendre jusqu'à ce que j'ai absolument l'équivalent des bénéfices qui équivalent en mon dépôt ou bien à mon investissement. Je répète, selon moi, si j'ai déjà des bénéfices, admettons j'ai investi 5000 dollars dans Patreon Pay, j'attendrai jusqu'à ce que j'ai 5000 dollars en bénéfices pour faire mes retraits en Bitcoin. Ça, c'est moi, je ne sais pas vous, mais pour l'instant, je propose personne ou bien je conseille personne d'investir son argent avec Patreon Pay pour le moment, si vous ne comprenez pas toute la technicalité qui se trouve dans cette possibilité de faire les retraits. Donc, si vous ne comprenez pas la technicalité des choses avec MetaMask, comment faire le retrait en crypto-monnaie, parce que la valeur, quand vous faites l'échange de Patreon en ETH, vous perdez une grosse partie de vos profits. Donc, le pourcentage de vos profits va diminuer énormément. Alors, pour moi, j'attendrai jusqu'à ce que j'ai l'équivalent de Bitcoin en profit. Si j'ai investi 500 dollars, j'ai 500 dollars de profit dans Patreon Pay. Là, je peux faire mon retrait en Bitcoin. Ça, c'est une condition qu'ils ont posée ces derniers temps. Donc voilà, pour les gens qui ont de la misère à faire les retraits avec Patreon Pay, c'est comme ça que vous procédez.
Si vous ne savez pas comment faire les retraits avec MetaMask, donc personnellement, je peux vous assister, mais il faut venir ici au magasin pour que je vous aide. Il faut venir avec votre laptop, votre ordinateur portable. On va se connecter sur Internet. Tout simplement parce que il faut passer par le laptop. C'est moins compliqué, c'est rapide. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour épargner que la vidéo soit plus longue? Tout ce que vous devez faire, c'est m'appeler au 514. Je vais vous aider. Donc, 514-449-4821. Et je répète, l'aide est absolument gratuite. Vous devez seulement appeler à partir de midi jusqu'à 23 heures. Vous pouvez appeler entre midi jusqu'à 23 heures. Vous prenez un rendez-vous ou tout simplement vous venez ici. Et là, vous venez avec votre laptop. On va passer par ma connexion Internet. Et puis, je vais vous montrer comment ça se fait pour faire le retrait. OK? Donc, je répète encore une fois, ce service est absolument gratuit. Bon, je suis à la fin de la vidéo. S'il vous plaît, donne-moi un like si vous aimez la vidéo. Ça aide beaucoup parce que YouTube nous permet de faire la distribution. Ça nous aide. Hein? YouTube va nous propulser et il va quand même proposer nos vidéos chez les autres qui sont en train de regarder. Ça nous aide pour la visibilité. C'est pourquoi on vous demande de nous donner une pouce comme ça. OK? Et aussi, partagez la vidéo avec vos amis. Ça aide énormément. N'oubliez pas de mettre des commentaires ici comme bonne vidéo. Ça nous aide aussi dans toujours dans la publicité avec YouTube. Merci encore une fois. Surtout aussi, regardez les publicités. On est presque à la fin. Regardez aussi des publicités. C'est de cette façon-là que vous nous aidez à financer aussi la chaîne. Et ça me motive aussi à faire d'autres vidéos additionnelles pour vous. Merci de partager. Merci d'avoir regardé. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps de regarder quand même cette information. Je vous remercie et on se revoit dans la prochaine vidéo. Au revoir.